L'ange numéro 58, Yehalel. Il régit du 6 au 10 janvier. Il est l'ange de la force mentale et des hauts niveaux d'intelligence. Il favorise les prises de conscience et le discernement avec rigueur. Il nous élève vers la maîtrise des passions et des impulsions. Il active en soi l'aptitude à discipliner nos pensées. Avec cet ange, nous pouvons développer les qualités suivantes. Force mentale, haut niveau d'intelligence, grande logique, aptitude à discipliner ses pensées, aptitude à discerner avec rigueur. Développe les facultés mentales. Favorise les prises de conscience, la lucidité, la clairvoyance. Faculté de concentration. Recherche de précision, compétence, patience. Force bénéfique à l'utilisation des ordinateurs et à la programmation. Neurotechnologie. Maîtrise les passions et les impulsions émotives. Franchise, bravoure. Sens de la justice et de l'ordre. Rigueur, loyauté inconditionnelle. Compréhension des lois et des structures divines. Nous pouvons rectifier les faiblesses humaines suivantes. Essaye de contrôler. Pense de manière excessive. Obsession. Focalisation exagérée sur les soucis. Problème en lien avec l'amour et les émotions en général. Manque d'intelligence, difficulté à se concentrer, à focaliser son attention, son énergie. Son intention ou utilisation abusive de l'intelligence et des facultés intellectuelles. Se perd dans les mondes virtuels, c'est-à-dire les jeux vidéo, Internet, réseaux sociaux, etc. Mauvaise utilisation de la neurotechnologie. Perfectionnisme à outrance.
impose ses idées par la ruse, la manipulation. Mauvaise intention, mensonge, trahison. Colère, vengeance, abus de pouvoir, crime, obstination, entêtement, illogisme, rigidité, sévérité, morosité, tristesse, pessimisme. Ne crois pas en notre Créateur, en une force supérieure, athéisme. Mégalomanie. Vie abstraite. Personne excessivement rationnelle et logique qui croit uniquement ce qui peut être prouvé concrètement. Décalage entre l'intellect, les émotions et les aspects physiques. Nous pouvons l'invoquer dans les situations suivantes. Activité cérébrale. Concentration, capacité de se concentrer. Lucidité. Mental. Problèmes mentaux, myopie, les yeux, programmation programmée. Douce pensée angélique.